à tous, nous sommes en 2022 et on se dit tiens, cette petite GBA était vraiment une très bonne console, donc là c'est la SP. Et j'aimerais me refaire une petite collection de jeux GBA, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de fakes depuis qu'il y a les sites comme AliExpress et Wish. Et il y a des mecs sur eBay et Le Bon Coin qui vous vendent ça comme des jeux originaux, mais en fait c'est de la pure merde, c'est du fake total. Donc par exemple, ces deux-là, je les ai achetés sur AliExpress. Je crois que ça valait 5 euros unité. Donc comment reconnaître très rapidement un fake d'un jeu réel déjà, pour certains titres. Là, j'ai fait exprès de prendre les Tortues Ninja en vert. Mais les cartouches sont censées être de cette couleur en vrai. Alors que là, c'est du vert. Donc on sait que la cartouche n'est jamais sortie en vert, donc on sait que c'est du faux. Là, on voit un peu Nintendo, mais... Donc là, d'après vous, quelles sont les vraies et quelles sont les fausses cartouches? Tic-tac, tic-tac. Voici les vraies. Tout ça, c'est du fake. Donc, comment reconnaître très rapidement une vraie cartouche? Déjà, quand vous la rapprochez, on peut voir que le logo Game Boy Advance, il est quasiment lisse. Il est plat, il n'y a pas de relief, en fait. Donc ça, c'est le premier point visuel à regarder. On peut le voir de manière très rapide. C'est quasi plat, en fait. Alors que les cartouches fake, sur ça, ça se voit vraiment. Sur celle-ci, ça se voit un peu moins, mais on verra que c'est du fake. Regardez le Game Boy Advance, comme il est en relief, comparé à la officielle, qui est quasiment plat, en fait. Là, on voit, c'est écrit Game Boy Advance, c'est presque plat, et là, il y a un sacré relief. Donc là, c'est la première indication visuelle comme quoi le jeu est fake. Puis bon, on voit l'étiquette Castlevania Area of Sorrow, dégueulasse. On voit que c'est vraiment une étiquette pourrie, pas réelle. Là, on a une cartouche qui est un peu mieux faite, parce que on peut voir qu'elle a quasi la même couleur que les autres. Et le Game Boy Advance, même s'il est en relief, il est bien plus plat que la version d'AliExpress. Du coup, ben, on peut être trompé. Mais visuellement, voilà la technique pour découvrir si le jeu est vrai ou faux. Regardez le Game Boy Advance, s'il est en relief, vous pouvez être sûr que c'est du fake. Après, ils ont été honnêtes dans leur connerie, quoi. Là, par exemple, on voit pas écrit Nintendo, écrit ni les D. Alors que sur certaines cartouches, on peut voir, pas celle-ci, mais Tortue Ninja, je crois qu'ils s'en foutent. Non, Pokémon alors? Ah non, sur celle-ci, ils ont joué le jeu, ils n'ont pas mis Nintendo en blanc. Donc, ça c'est pour l'aspect visuel. Si vous voyez du relief sur l'écriture Game Boy Advance, ou une étiquette dégueulasse, ou une couleur qui ne correspond pas à la cartouche, parce qu'elle n'est jamais sortie en verte, donc ça... C'est la première indication comme quoi c'est du fake. Ensuite, on va avoir une deuxième indication. Donc, on va le démonter. Il faut un tournevis avec les trois pans. Donc, quand vous démontez une cartouche officielle, on va s'apercevoir que la vis, elle n'est jamais pointue, en fait. Elle est toujours plate. Puis, on va démonter la cartouche. Donc, on slide vers le bas. Et là, vous avez la carte mère Nintendo. Et on voit que les connectiques sont bien dorés. Et on va voir que c'est pas le cas pour certains fakes. Donc on voit écrit Nintendo, c'est bien doré, c'est bien la cartouche officielle. Avec la petite vis plate. Si par exemple, je prends celui-ci, le Castlevania fake. Pareil, ils ont joué le jeu, ils ont mis... Le même pas de vis, mais si on regarde la vis de plus près, ben c'est une vis pointue. Donc Nintendo fait pas ça. Ils vont pas faire en sorte de péter les cartouches. Donc pareil, ça slide bien. Mais si on regarde l'intérieur, c'est dégueulasse, quoi. C'est grossier. Et on voit les connectiques à son gris comparé à des connectiques officiels Nintendo qui sont vraiment dorés, quoi. Donc là, on voit vraiment que c'est du fake bien dégueulasse. Et encore, ces escrocs, ils ont écrit Nintendo. On va voir que sur
Bah, les tortues ninja. Là, pareil, c'est du AliExpress. On voit vis pointue, donc de la grosse merde. Ça abîme le pas de vis de ta cartouche. Là, voilà, ils ont été corrects. Ils n'ont pas mis Nintendo. Ils montrent clairement que c'est du fake. Même si ça reste un peu doré, parce qu'il y en a certains. Il me semble que c'est Kirby. Oh, je sais même pas s'ils ont fait l'effort. Tiens, on va l'ouvrir parce que celle-ci, je crois que c'était une vraie à l'époque. Et je me suis fait gruger. Je l'avais acheté dans un cache. Et je me suis fait avoir. Et là où ils ont poussé le vis aussi, eux, c'est que. On va essayer d'aimanter. Voilà la petite vis. C'est une vis plate. Donc, j'ai l'impression que la façade, enfin l'autocollant est. Quoique l'autocollant il est bien foutu, mais bon, c'est du fake. On voit que c'est en relief. Bon, l'intérieur, ils n'ont pas cherché à faire d'efforts. C'est gris, c'est pourri, enfin, y a rien de propre, quoi. Donc voilà comment reconnaître du fake. Donc là, on a le Kirby fake qui était l'un des plus réalistes, on va dire. Bon, après, il y a Castlevania, on voit l'étiquette dégueulasse. Elle n'est pas aux bonnes dimensions, on voit que c'est écrasé, quoi. Là, c'est Tortue Ninja version AliExpress. Bon, ils n'ont pas mis Nintendo, ils sont restés corrects malgré tout. Mais là, ma version de Metroid officielle. Bon, on voit que la finition n'a rien à voir. Déjà, c'est doré. C'est propre. Donc voilà, c'est un petit guide pour vous montrer comment ne pas vous faire escroquer sur eBay ou sur Le Bon Coin, même sur Vinted maintenant, parce qu'il y a des jeux. Il y a des gens peu scrupuleux qui vendent des fakes et qui vous vendent ça comme des officiels. Donc, rapidement et visuellement, on voit que c'est quasi plat, le Game Boy Advance. Alors que là, enfin, on voit bien le relief, quoi. Donc, relief égale fake de chez AliExpress ou chez Wish. Donc, si vous voulez vous refaire une petite collection, ben, pour pas se faire avoir, il faut éviter le relief. Après, il y a des cartouches comme Kirby, des fakes, qui sont pas trop mal faites, mais bon, on voit quand même que sans relief, c'est pas plat. Ça, c'est du fake, pareil. AliExpress. Bon, ils sont corrects, ils mettent pas Nintendo. Mais il y a des gens qui vous les vendent et ils vous disent pas que c'est des fakes. Ça vaut, je crois, 4 euros ou 7 euros. Bon, je me les suis prises parce qu'elles sont pas chères, j'ai voulu tester. Et ça marche très très bien. Hein. Même si c'est du fake, c'est plutôt pas mal foutu. Bon, là, on voit que c'est du fake parce que ça dépasse un peu. Alors que. Une cartouche officielle, elle n'est pas censée dépasser, quoi. On va remettre Pokémon. Ça se joue au millimètre, mais bon, ça se voit, quoi. Par contre, quand on allume le jeu, ça fonctionne parfaitement, quoi. Donc voilà, c'est fonctionnel, mais bon, c'est du fake. On va éteindre tout ça. Hop, je vais un peu reculer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et surtout vous aidera à pas vous faire escroquer. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à commenter, liker si ça vous plaît. Et essayez de pas vous faire avoir parce qu'il y a vraiment des connards qui veulent se faire du profit. Et qui vendent en faisant croire que c'est de l'officiel. Allez, à bientôt, bye bye!